Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Mario Plus de la Pancrette Sparks of Hope. Alors c'est le moment quotidien de notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, on s'est laissé dans ce monde magique et on l'a libéré de l'emprise des méchants. C'était super génial. Alors comme d'habitude, j'ai joué hors vidéo et j'ai complété tous les combats qu'il y avait à faire par-ci par-là. J'ai fait toutes les quêtes aussi. Vous voyez, il n'y a plus d'icônes dans la map. Il y a juste ceci. Mais le gros problème, c'est que j'ai pas assez de Spalkerino. Et c'est pour aller tuer un gros boss de fou de je sais pas quoi. Et j'ai complété tout ce qu'il y avait à faire dans le deuxième monde aussi. En tout cas, j'ai joué hors vidéo pour tout compléter ce que je pouvais compléter. Et maintenant, on va dans le prochain monde, mais avant tout, on va juste dépenser notre cash de ce monde-là pour acheter des skins d'armes, juste pour le plaisir. Alors, je vais acheter ceci, ainsi que Double Gun, bro, ouais, what's up, bro? Donc, ouais, on s'en va d'ici. Bienvenue dans mon vaisseau spatial que j'ai monté avec des Legos. Ça devrait pas faire carapoute, j'ai suivi les instructions à 100%. Ouais, j'ai tout lu, alors je devrais pas manquer de morceaux. En tout cas, on va à Terra Flora. J'espère que ça va être le fun là-bas. Ah, oh, j'ai tellement hâte de voir ça. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Ok, je vais le faire après. Rochon de Terra Flora, royaume des sources d'eau minérale naturellement gazeuses, des immarcessibles prairies, sans parler de l'infiniment célèbre arbre de l'éclosion. Waouh! Franchement, Ginny, même toi ne peux entacher mon enthousiasme à l'idée de visiter le jardin de la galaxie. Malheureusement, si, je le peux. La forteresse de Kursa est désormais à portée de nos instruments. Oh! Kursa a érigé une barrière d'énergie de confusion tout autour, qui nous empêchera de faire atterrir notre vaisseau. Ah! Et cela, même si nous trouvons l'énergie de confusion purifiée pour l'atteindre. Ça va bien, notre verre. Toi, tu dois connaître un moyen. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu connais Bibi. Tu connais Minuit. Il y a bien quelque chose que tu ne veux pas nous dire, n'est-ce pas? Écoutez bien. Même si c'était le cas, c'est mon problème. Et croyez-moi, il vaut mieux que ça reste mon problème ou ça deviendra votre problème. Compris? Ouais. Donc, les prairies qui ne fallent jamais, là, on va les voir en personne. Prêt pour l'atterrissage? Yes, sir! Allez, calme. Yo, pose-moi pas de questions, sinon là, je vais te lancer mon épée de cloud. Tchou, 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 tchou. Mini, Bibi, ainsi que... Ah, le bonhomme qu'on va voir à Terra Flora. Yo, est-ce que c'est moi ou bien Kursa est pas méchant à 100% quand elle a les yeux bleus? Ou il ou elle, I don't know. Quand ce bonhomme a les yeux bleus là, il est gentil, non? Peut-être que Kursa s'est fait posséder. Oh, we never know, bro. Yo, cet endroit est belle. Bon. Yo, j'ai du mal avec mon film, le masculin, bro. Qu'est-ce qu'il m'a, bro? Continue à faire le ménage, mon frère. La flore de Terra Flora souffre.
moi. Tout m'a l'air super normal à moi. En plus, je ressens plein de bouquets qui viennent d'ici. Une sécheresse approche. Le célèbre volcan d'eau de Terra Flora, le Mont Gicleur, est désormais en sommeil. Ah, c'est lui le gardien ou quoi? Cette voix... Quelle incomparable beauté me tourmente ainsi de son feu à faire fondre l'âme. Encore un autre poète? Son nom est Ginny, l'intelligence artificielle de pilotage et de gestion des systèmes de notre vaisseau. Et moi, j'en suis... Bon, dites ce que vous avez... Enchaîner cette pauvre créature à cette effronterie volante et par quelle injustice injustice, je vous prie! En réalité, aussi immatériel le plaisir inhérent à mes attributions soit-il, je trouve mes fonctions fort réjouissantes. Monsieur... Oh my god, vous parlez tellement compliqué, mais what the hell? Tu sais, j'accablé d'ignominie. Pardonnez-moi, douce Ginny. Mon nom est Sullivan, conducteur en chef de la ligne Wiggler Express. Oh wow! À toute vapeur. Rien ne me ferait davantage plaisir que de vous prouver la supériorité de la vapeur, mais un regrettable problème sur la ligne m'en empêche. Ah, évidemment. Lorsque le wagon-restaurant n'a plus de petits fours aux concombres, c'est un regrettable problème. Ça, c'est un tentacule de confusion. Par mes pistons! Si les pauvres végétaux menant mon train n'étaient pas fanés par la sécheresse, j'écraserais cette vilaine bête et foncerais vers le mont Gicleur en un éclair. Ok, il y a des poils partout pour vrai, hein? Toutefois... Toutefois, l'espoir c'est jaillir de la détresse. Il vous suffit de le trouver à l'arbre de l'éclosion. Grand merci, monsieur Sullivan. Nous irons voir l'arbre de l'éclosion tout de suite et verrons votre train bientôt, c'est promis. Et on dirait que je suis en train de lire le livre de Don Juan, là, ou quelque chose comme ça. C'est quoi cette affaire-là? Oh boy, alright! On va libérer cet endroit de l'emprise des méchants. Pas le temps de niaiser. Je m'appelle Presto Speech. Wouhou! Bullet Cannon! Wouhou! Hey, il y a un joli magasin à côté. Oh, j'espère que t'as des trucs intéressants pour moi. Il va blablater à longueur de journée, là. Mais tout ce que je veux, là, c'est les items de son magasin. Pas besoin de lire tout ça, n'est-ce pas? Donc, est-ce que t'as... Oh, t'as ça en rabais et... C'est quoi ce coffre? Soigne 70% des PV! Je suis pas du genre à utiliser des items pour être honnête avec vous, mais ça c'est nouveau! Oh, tous les effets néfastes! Ah, ok, alright, non. Moi là, je vais pas utiliser d'items, je voulais juste voir ce qu'il y avait là, mais bon. Alors, notre premier combat! Cocorich! Cocorichoc! Cocorichoc! Je suis en train de setup mes personnages pour le combat et je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de nouveaux sparks! Surtout lui là, il est super nice, je peux invoquer un Glyphu là, c'est un gros bonhomme qui fait wacha wacha! Mais bon, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre ceci et le donner à quelqu'un parce que ça va augmenter les dégâts des armes et puis je devrais le level up le doudin! Ouais, c'est écrit maître d'armes, augmente les dégâts infligés par les armes de 25%! Et puis en plus, ça me permet de me protéger parce que si les gens m'attaquent, eh ben ils vont subir des dégâts aussi! Alors ce spark là, il est super génial, man bro! Alors là, j'ai l'équipe d'enfer, l'équipe de rêve pour détruire tout le monde dans ce niveau. Vous allez voir, le truc c'est que faut que je vainque tous les ennemis qui se retrouvent ici. Il y a juste un bonhomme de nouveau, c'est lui. Il est nouveau mais il est pas nouveau. J'ai pas lu sa description là mais bon. Alors, regardez ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va commencer le combat. Alors, le bonhomme qui peut attirer les ennemis c'est Edge. Alors, ce que je dois faire, c'est amener Edge. Attendez une seconde, j'arrivais pas à pogner Edge. Voilà, on va l'amener ici, comme ça elle peut sauter là, et ensuite aller ici, au milieu de la map, et on va attirer tout le monde avec ceci, donc je peux attirer la grande majorité des bonhommes, mais pas les bonhommes qui sont en haut malheureusement, hein. C'est quoi? Si j'allais ici, je peux attirer, je peux pas attirer tout le monde malheureusement, mais en faisant ça, j'attire le plus de bonhommes possible selon moi. Attends, non, ici. Il faut que je me positionne bien, il faut pas que je foire mon coup. Mais comme ça, ça devrait être Tigidou. Voilà. C'est ça que je faisais hors vidéo. J'attire tout le monde ici et je prends des bonhommes qui peuvent attaquer plusieurs ennemis en même temps pour des one-shots. Bon, ça va pas les one-shots, mais vous avez compris. Et le bonhomme y est pas arrivé, malheureusement. Mais bon, on va te... Non, je vais pas charger sur le monde tout de suite, no way. Je vais amener... Toi. Voilà. On va sauter encore une fois. Je crois que si je vais là, c'est Tigidou. Voilà, perfecto. Donc, toi, je vais te charger dessus. Et je vais te... Attendez. Charger dessus. Et je te charge dessus. Parce que je peux charger sur tout le monde. C'est pas grave. Donc, première chose à faire. Essayer de détruire le bonhomme là-bas. Ouais, comme ça, c'est correct. Wouh!
Ça fait mal, oui! Et ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser ce bonhomme pour faire ça. Utiliser, attendez, ce bonhomme pour faire ça. Et ensuite, je vais utiliser... je peux juste faire ça comme ça. Ouais, voilà. Voilà, 5 attaques. Yo, j'ai amélioré ses capacités. C'est super génial. Et là, il y a juste Peach qui peut rien faire, malheureusement. Alors, tout ce que je vais faire, c'est la mettre ici. Même si je me fais attaquer, ce n'est pas si grave que ça, je pense. Hein. Mais ça a fait quoi si j'attaque le truc d'eau? Ben, le tonneau d'eau, que je ne peux même pas toucher. Sky. Allez, on y va. On passe le tour. Oh, toi aussi, tu peux faire ça? Oh, wow, ok, yo, oh, ok, tu l'as pas fait. T'es pas rentré dans le tuyau. Ok, ça sert à rien de rentrer dans ce tuyau. Ok, ok, ma bad. Ah, wow. Moi, je m'attendais pas à ça, les brothers. Ok, si seulement je pouvais les attirer avec quelque chose. Mais bon, première chose à faire, augmenter l'attaque de tout le monde. Comme ça, de 60%, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est tenter de tuer... C'est pas possible de tuer ce bonhomme-là, hein? Non. C'est pas possible de le tuer. Même si je fais beaucoup de charge sur lui. Oh my god! Oh my god! Oh, c'est vrai! Parce que mon Mario, là, le lapin Mario, il fait des dégâts d'explosion. Oh boy, je m'attendais pas à ça, bro! Oh, je peux pas te charger dessus maintenant. Ok, alright, my bad, man. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Alors... Yo, si je suis smart là, je devrais pouvoir tuer un. One shot, avec ça. Come on, come on, come on. Ouais, j'ai tué un bonhomme mais pas l'autre bonhomme. Ok, c'est parfait. Bon, cette game là ne se passe pas comme prévu pour être honnête avec vous. Mais ce n'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Alors, toi, ce que tu vas faire. Ah, oh, je peux pas toucher le bonhomme au loin. Ok, alors ce que je vais faire, c'est juste l'attaquer comme ça. Comme mon lapin Mario est méga ultra puissant. Mais il faut que mes ennemis soient à côté de moi pour que ça marche. Et toi... Bof. C'est quoi? On va faire un petit sacrifice, Edge. T'es la meilleure, je t'aime beaucoup. Voilà. J'aurais pu aller un peu plus loin là, mais c'est pas grave. Je vais juste infliger le plus de dégâts possible. Les combats là commencent à devenir difficiles, man. Et là, ce que je vais faire, c'est faire ça comme ça. Wow! Ok, ça s'est mieux passé que prévu, pour être honnête avec vous. Il n'y a plus rien à faire. Allez, on passe le tour. Ok, c'est bon. Et maintenant, ce bonhomme va se faire détruire. Voilà! Ok, c'est bon. Toi, ensuite, tu vas aller là. On va faire la box, man. Regardez ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, boy. On a survécu. J'arrive pas à le croire. Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Moi, je me suis amusé pour être honnête avec vous. C'est Tigidou. Oh, il faut pas oublier ceci. Ça, c'est un joli cadeau. Non, mais pour vrai, cet endroit-là, super beau. Oh, boy. Et là, on dirait qu'il faut que j'aille là-dedans. Ouais, c'est évident. Est-ce que vous avez entendu ce fantôme? Ça doit être l'esprit de l'arbre de l'éclosion en personne! Hein? Tu me fais peur! Nous venons en paix! En réalité, nous pouvons même aider votre majestueuse éclosion à retrouver sa floraison naturelle! Ah, pour vrai? T'es sûr? Faut pas garantir quelque chose comme ça si tu ne sais pas. Et tentez d'accéder à mes branches supérieures. Nous nous verrons bientôt si vous êtes digne. Oui, bien sûr. Oh, grand esprit de l'éclosion. Merci. Vous ne le regretterez pas. Je crois que c'est nous qui... On s'essuie les pieds avant d'entrer. Évidemment, enlevez vos souliers, man. Et on n'est pas aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, dans certains endroits, là, les gens rentrent avec leurs souliers à la maison. Comme ils se promènent partout dehors. Ils peuvent même écraser... Vous savez, les crottes de chien et tout. Et puis, ils rentrent à la maison avec ça. I don't know what. C'est tellement bizarre. Je sais pas si ça se passe en Europe, pour être honnête avec vous, mais au Canada, personne fait ça en tout cas. Anyway, nous sommes arrivés à destination. Et là, on va faire... Gacha! Ok, c'est bon.
Wow. Le premier album de Bettina fut qualifié de trop commercial et visant un public aussi jeune qu'idiot. Qui écoute ce genre de bêtises? Ah, oh, oh, bah bah. Je comprends 6 versions live de cet album, Bipo, dont une version remasterisée sortie la semaine dernière. Oh, Cassian, 1000 morceaux, bro! Alright, ce que je vais faire, c'est faire ceci. Ah, ok, je peux pas aller plus loin, je suis obligé d'aller là. Et ensuite... Ah, il faut détruire ça. Wacha! Et ensuite... Yo, je sais même pas, ça sert à quoi... Ça me dit c'est quoi le bon chemin, c'est ça ou quoi? Comme... Ça me dit qu'il y a... Ah, quelque chose ici! Je vous jure, il y a tellement de trucs cachés à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. Ne vous en faites pas, j'ai vu le tableau, mais c'est moi qui décide de ne pas le checker. Oh! Aha! Attends... Wow, tout ça pour aller chercher ceci. Ok, ça c'était un gros travail. Attendez une seconde. What the hell? Tu me dis d'aller là-bas? Y'a de quoi? Pourquoi tu me dis d'aller là-bas? Yo, je sais même pas ça sert à quoi. Peut-être que plus tard, je vais trouver une compétence qui me permet de faire quelque chose. I don't know, man. Wacha! Et ensuite, ceci. Ok, assez simple. Je commence à m'habituer au jeu, là. Quand je commence à comprendre comment les puzzles marchent et tout. Ben, je comprenais déjà comment ça marchait, mais maintenant je comprends encore plus. Là, je prends ceci, mais est-ce qu'il y a... Il y a pas quoi que ce soit. Attends, hold up. Ok, non, il y a rien du tout. Moi qui croyais qu'il y avait un passage secret qui me permettait de revenir au début de l'arbre, là. C'est l'endroit où je dois déposer le truc que j'ai entre les mains. Ah non, faut que je fasse un gros tour comme ça. Voilà. Perfecto! Et là, j'ai même pas vu Bettina, où es-tu? Attends, pas! Bettina est une warrior. Sa carrière de chanteuse terminée, elle s'est exilée à Terra Flora pour se reconvertir en agricultrice bio. Oh wow! Heureusement, il nous reste plein d'albums merveilleux de Bettina pour nous souvenir de sa voix magnifique. Mais pas celui-là. Sur cet album, elle ressemble à une tronçonneuse rouillée. Oh, t'es méchant, bro! Oh, pourquoi tu laisses comme ça? What? Oh, ce gars-là, là, y a aucun respect pour Bettina, vous avez ça? Ok. Yo, est-ce que tu sais où est Bettina? Ce symbole, il est important, je crois. Ah, il me faut un autre power que je n'ai pas. Il faut trouver le bon Sparkerino pour faire ça. Mais bon, ce sera pour... Oh, juste un tout petit peu plus tard. Parce que c'était mauve. On est dans un pays mauve. Alors, vous avez compris ce que ça veut dire? Et là... Ok, ça c'est pour compléter un puzzle. Est-ce que je veux vraiment compléter le puzzle? Moi là, je veux juste... Attendez une seconde. Vous voyez que... Oh, il faut vraiment power! Ok. D'accord. Moi, je veux pas jouer avec ça. Non, je me suis trompé d'endroit. My bad. Peut-être qu'il faut juste faire ça comme ça. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Ok, c'est pas un nouveau power qu'il faut aller chercher. My bad, je me suis complètement trompé. Oh boy. Merci pour le cash, bro. Je vais ramener ça dans mon château. Pas besoin de se battre contre eux parce que je vais le faire hors vidéo. Ça, c'est optionnel. Ah. Voilà, perfecto. Ok, alright. Moi, je croyais vraiment qu'il fallait un nouveau power, man. Je me suis complètement trompé. Bah. Voilà, thank you. Quelque chose que je vais jamais utiliser de ma vie. Hey, what's up, bro? Chaque fois que j'escalade un arbre, j'oublie pourquoi je grimpe en plein milieu. Ouais, t'inquiète, moi aussi, je ne sais pas pourquoi, man. Voilà. Ensuite, le bon chemin. Je sais même pas si je suis sur le bon chemin pour être honnête avec vous, là, mais bon. Je peux péter ceci pour aller voir quelqu'un. Cursa déteste la beauté. Voilà pourquoi elle s'est arrangée pour que nos fleurs ne poussent pas. Ah, la maudite, man. Voyons donc. Casse pas. Attends, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai activé, mais c'est sûrement ce qu'il faut faire. Bah. Voilà. Et ensuite... Ok, je sais. Faut revenir ici. Yo, toi tu fous les ch'tons, petit lapino discret. Oh my god, bro. Alors, on passe par là. Juste pour prendre ceci. Et là, en fait, je suis sur le mauvais chemin. Oh boy. Ça, c'était juste pour aller chercher un collectif, si je peux dire ça comme ça. Alors... Attendez. Non, y a rien. Ça, c'est un ennemi, hein?
Oh, oh, c'est un... Ok, ok, c'est un Goomba avec une casserole sur la tête. Oh, mon Dieu, ça m'a fait peur pendant un instant, là. J'ai vraiment cru que c'était un ennemi que j'ai jamais vu de ma vie, man. Mais bon, on dirait que non. Passe par là. Oh, 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 il y a un item à droite, mais bon, je vais pas aller chercher ça. Je vais faire ça hors vidéo, c'est correct. Ensuite, on va faire... Kaboom! Comme ça, je peux revenir ici facilement la prochaine fois. Eh oui, pas besoin de refaire le tour. On est enfin arrivé à destination. Ça dégouline dans l'éclosion. Pas le temps de niaiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici selon vous? Est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure? Vaincre tous les ennemis? Mais l'endroit est big! Oh, je sais pas si je pourrais attirer tout le monde comme tout à l'heure. Et oh! Aquameha! Ah ça, les dégoulineux vont vous poser un problème. Leurs pouvoirs magiques peuvent bloquer les techniques, les pouvoirs de Spark, même les attaques. What the hell? Ils possèdent même cet effet toxique qui vous empoisonne. Vous subissez des dégâts au début de chaque tour. Les ennemis font rien sur Spark? What? Pourquoi? Le Spark qui peut se promener partout et parler, il n'y a rien qui se passe. Mais je suis avec vous, hein? Enfin, après le combat, si vous gagnez quoi, sinon non. Oh les maudits, voyons donc. Non, il y a 7 ennemis. Je pourrais tenter de les attirer. Ok, première chose à faire, guérir tous mes personnages. On va garder le même setup, parce que je vous ai dit, ça là c'est le meilleur. Donc, première chose à faire, le bonhomme qui peut attirer tout le monde va aller ici, attendez. Oh, je pourrais même attirer un peu plus de bonhommes, je pense, hein. Si je vais là comme ça. My bad. Comme ça. Ces bonhommes peuvent annuler mes techniques ou whatever, c'est ce qu'on m'a dit. Mais, est-ce que ces bonhommes doivent utiliser une technique avant de pouvoir le faire? Telle est la question. Comme, est-ce que si je fais ça maintenant, est-ce que ça marche? C'est ça que je veux savoir. Ça devrait marcher, hein. On y va. Je vais les détruire avant qu'ils utilisent leur technique. Avant qu'ils utilisent leur technique. J'arrive même plus à parler. Come on, encore un peu plus. Come on, come on. Yes! Alright! Donc, oh, je suis tellement mal positionné. Je vais leur charger dessus. Comme ça. Et comme ça. Et là, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de booster l'attaque de mes personnages. Ben, les attaques de mes personnages. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire. Ça comme ça. C'est parti! Voilà. Attends, si je fais ça là. Ah, ouais, c'est ça. J'ai même pas besoin de booster leur attaque. Attends. Parce que ça fait explosion. Attends. Oh my god, vous avez ça? Ça c'est crazy, bro. Là, je fais ça comme ça. Vous avez dit, man. Oh my god, même pas besoin de booster mon attaque, pauvre. Ça c'est crazy. Alors, ma petite Edge. Bon, tu peux pas vraiment attaquer qui que ce soit. Ah, tu peux? Si tu te places là, tu peux? Oh! Yo, moi je ne dis pas non à ça, hein! Ah ah! Le truc, c'est que Edge, c'est pas un bonhomme que j'ai utilisé hors vidéo pour faire mes combos. Pour être honnête avec vous, là. Attendez, je vais subir moi. Non. Le truc, c'est que j'utilisais Bowser Peach et Lapin Mario. Mais Edge, c'est la première fois que j'utilise. Je l'ai remplacé par. Que j'ai remplacé Bowser par Edge. Parce que je me suis dit que. Ce bonhomme-là, elle. Devrait être plus efficace. Voyez? Et puis, c'est vrai dans un sens. Et là, ensuite. Ce que je vais faire. Edge a pas besoin de. Ouais, j'ai pas besoin de bouger, hein. Ah oh, non, 0% de réussite. Alors là. Attends, j'ai vu que de là. Ah, oh, de là. Attends, de. Je pouvais... Ok, vous savez quoi, je vais juste me positionner ici, Sky. Alors, Lapin Mario, tu vas là. Comme ça, je peux sauter comme un petit fou. Voilà. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, utiliser ceci. On va électrocuter tout le monde. Bon, come on. Je m'attendais à les toucher un petit peu plus que ça. Avant celui-là, j'aurais utilisé ma technique qui me permet d'augmenter mon attaque. Ok, attends. Ouais, comme ça. Perfecto. Toi, tu peux plus bouger. Maintenant, on va passer à ce bonhomme. Et là, Edge. Non, non, non. Je vais pas faire bouger Edge, lui, non. Ok. Comme ça. Ensuite, bah. Et ensuite, bah. Voilà.
Je devrais pas pouvoir toucher l'autre bonhomme, hein? Non, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai ce bonhomme qui va... Ah, qui aurait pu l'achever, mais bon. Sky. Ok. Si tu bouges... Ouais, si tu bouges, prends le genou, là. C'est GG pour toi. On passe le tour. Lui, il peut rien faire, il est trop loin. Oh, come on, ils ont vu! Oh, man! Ok, c'est correct. Toi. On va aller ici comme ça, t'es glissé dessus. Wouh! 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 Et là, ensuite, comme ça. C'est terminé. Vous avez vu à quel point le lapin Mario est super bon. Il peut même attaquer à travers les obstacles. Et puis ça détruit pas les obstacles, mais ça détruit les ennemis. C'est ça que j'adore de lapin Mario. Il est beaucoup trop puissant. Je dois l'utiliser à tout prix. Regardez-moi toutes ces étoiles qui tombent. Aquameha, rejoins l'équipe. Thank you very much. Cho-cho-cho. Alors là, descendre. Eh ben non, pourquoi je voudrais descendre? Pourquoi? Ah, c'est sûrement pour des 4 secondaires. Ouais, ok, non. Pas besoin de ça. Moi, je fonce vers... je ne sais qui, pour être honnête avec vous, et ça fait un petit peu peur. Ça se voyait qu'on était dans une ruche. Yes, t'es très belle. Ahem, bonjour, ahem. Le grand esprit de l'éclosion? Oh, mon nectar! C'est désolé, mon nectar! J'étais juste l'air zèque dans ma douce gorge! Je suis Bédina, la gardienne! Si vous êtes la gardienne, vous devez savoir où trouver la confusion ombre qui s'est infiltrée à Terra Flora! Le mont Zikler! Est un zèque! Nos fleurs ne peuvent fleurir et leurs voix sont étouffées comme la mienne! Oh! Voyez, c'est très difficile d'exprimer ses émotions. Les gens ont besoin de fleurs pour dire ce qu'ils ne peuvent prononcer. Des fleurs. Bouquet du cœur. Des fleurs. Comment il fait pas la tête et que Bana me largue pas. Leur composition, c'est notre passion. Mon joli nectar. Bouillon, mon joli nectar. En me trouvant ici, ces héros ont prouvé être dignes. Il est temps. Oui, Bettina. Je veux dire, oui, ma reine. Il va se joindre à nous? Ah, nouveau power! Pouvoir Sonic amélioré. Je vois pourquoi vous l'appelez Bouillon. Il m'a en effet éclaboussé de son talent. Ah! Bouillon. Bouillon va nourrir des tiges qui vous mèneront jusqu'à la gare. De là, vous pourrez atteindre le mont Gicleur. Nos hey. Jolies fleurs. Elle a dit mon gicleur, c'est pas mon gicleur. Ah, whatever. S'il vous plaît, sauvez nos fleurs. Sans leur message visuel d'amour, c'est la tristesse qui fleurira dans toute la galaxie. My Jesus. What the hell, man? C'est qui a écrit ça, man? Pouvoir de Bipo onde amélioré. Amélioration du pouvoir onde de Bipo. Vous pouvez désormais avoir un effet sur certaines plantes. Appuyez plusieurs fois sur ZR pour l'utiliser. Alright! Donc, je vois pas de différence pour être honnête avec vous, là, mais bon, en tout cas, c'est correct. Donc, pap. Ah! Ok, là, je vois. Pendant le soir, je croyais que ça faisait rien, mais... Respirez-moi cet air frais. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? On est sorti de l'arbre, comme vous l'avez remarqué, et maintenant, on doit se diriger super loin jusque-là. Je sais pas comment faire ça pour être honnête avec vous. Le bonhomme qui peut... Oh, attendez, peut-être il faut parler avec lui. Cruel. Absurdité. What the hell? Cruel, vindicative et parfaite destinée. Quelle vile fortune vient donc me frapper? Ok, alright. Je crois qu'il faut passer par là comme ça. Voilà, et maintenant on peut prendre ce checkpoint à Lino. Wouh! Yo, maintenant je vais pas manquer ça. Alright, parce que je l'avais manqué à un moment donné sans faire exprès. Donc, si je me dirige là-bas, est-ce que je me dirige au bon endroit? Je sais vraiment pas. Attendez. Ah! Ah! Non! Non! On dirait que je dois me battre. Alors, il faut que je vainque 3 loups solitaires. C'est super facile. Regardez ça. Comme d'habitude, on attire tout le monde de cette façon. Ah! Venez ici, les amis!
Ah, y a un bonhomme au loin, il peut pas se faire toucher. Vous n'êtes pas sérieux, guys. Ok, on va faire ça comme ça. Et ensuite... Ah, non! C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste charger sur ces bonhommes comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Je devrais pouvoir tous les one-shot. Voilà. Et là, bon, j'ai pas besoin de jouer avec eux pour être honnête avec vous, là. Alors, ce que je vais faire, c'est aller là-bas. Comme ça, perfecto. Je vais te glisser dessus et je vais te taper comme ça. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser Edge. Wow, ok, je peux pas te tuer de là. Sérieux? Mais non, t'es dead, bro. Je croyais que je pouvais pas le faire. Voilà, combat terminé, c'était aussi simple que ça. Yeah! On a bientôt le drop. J'ai hâte d'atteindre le niveau 23. Je sais vraiment pas, je me dis rougir depuis tout à l'heure, man, voyons donc. Alors, attendez, si je fais ça... Oh! Ok, alright, ok, je fais juste revenir en arrière. Wow, ok, y a quand même un gros problème, le truc que... Ah! J'ai activé ceci, ensuite de revenir par là. Ok, ce jeu adore me faire faire des allers-retours à longueur de journée, et puis... Yo, du cash, bro! Moi, j'accepte ça, les amis! Wouhou! Je vais devenir préoccupé dans quelques instants, on dirait bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit quelque chose comme casse-toi? What the hell? Wow! Attends. Voilà. Comme ça, je peux te détruire, bro. Wouhou! Yo, je m'appelle Midorima. Je peux pas faire beaucoup, mais je fais des 3 points à longueur de journée. Tranquille, on va prendre tout ça. Ça, c'est super important pour améliorer mes spatcalino. Et là, je suis comme... arrivé à destination, je pense. Voilà! Enfin! Venez, les amis! Ce train est direct pour le mont Gicleur et nous souffrons déjà un terrible retard! T'as un horaire, toi, pour vrai? Sullivan, hein? À propos du tentacule de confusion sur les rails... Cette vilaine besogne est bien trop basse pour vous, douce Ginny. Mon train et moi-même mènerons la charge et le traverserons. Apaisez donc votre esprit. Votre périple jusqu'au mont Gicleur sera nimbé de mes faveurs et de ma protection. Je sais pas pourquoi, mais je te fais pas confiance, mon frère. Mais bon, si tu le dis, hein. Donc, on va prendre le train. Point de peur, voyons. La route sera clémente, mes pistons seront plantureux, what the hell, et mes essieux sont bien graisseux. Oui, oui, merveilleux. Mais pourrait-on se concentrer sur le tentacule de confusion ombre qu'il y a sur les rails, plutôt que sur la mécanique? Ok. En voiture! Le pouvoir de la vapeur à votre service. Nous lançons-nous à corps perdu vers l'amour et la gloire de Terra Flora. Oui! Let's go! On est dans le Wiggler, bonhomme. Chou-chou! Banzo est pas trop lourd pour le train? Il est fâché! Oh! Parce qu'on est des imposteurs! Ok, on a juste foncé là-dedans. Moi, j'aurais jamais fait confiance à ce genre de train. Vous avez vu, on est en train de rouler sur des branches, là. Comme brothers, what? Oh, ils sont en train de faire un go party, what the hell? Oh! Oh, combat! Ah oui, gloire, tout vénère! Oh mon dieu, Jésus! Détruire œil de confusion! Oh! Ok, d'accord. Alors là, je crois pas que mon personnage... Ben en fait, mes personnages soient bons ici. Faudrait que je les change parce que... Non seulement il y a 3 œils ici, mais je suis sûr que c'est pas le dernier. Il va avancer. Et moi, je dois avancer jusqu'au fond aussi, puis... Ouais, j'ai pas les bons personnages, je pense. J'ai analysé la situation et puis j'ai remplacé Edge par Mario. Tout devrait être guidou. Je vais pas guérir lapin Mario. C'est juste un peu de vie qu'il a perdu. C'est pas si grave que ça. Oh my god, tu restes pas à côté de moi, bro! J'aurais dû prendre Luigi avant ce que t'allais être super loin comme ça. Ok, première chose à faire. Avancer le plus possible. Ok, au moins je peux te rouler dessus. Je vais pas le faire tout de suite. Parce que je veux voir si je peux faire autre chose. Comme...
Attendez. Aïe, 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 aïe. J'ai pas beaucoup de déplacement avec Mario, hein. Attendez. Je peux faire un autre saut d'équipe, mais... Oh, je vais envoyer... Attends, c'est qui peut attirer tout le monde? Toi! Je vais envoyer ce bonhomme ici. On va détruire tout le monde avant de faire quoi que ce soit. Ah, je peux juste attirer 3 bonhommes. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est les attirer ici. Comme ça, voilà. Et je pourrais peut-être toucher 2 œils de confusion. Mais 2 yeux, pardon. 1 œil, 2 yeux. Et attends, on va juste s'occuper de lui tout d'abord. Comme ça. Toi, comme ça. Et là, parce que je peux faire quelque chose avec Mario, c'est vrai. Attendez. Saut d'équipe. Attends, écraser. Écraser. Et là, après, regardez ça. Je peux attaquer en l'air et ça fait beaucoup plus de dégâts. Mario, là, il est tellement nice à utiliser pour vrai, man. Et ensuite, je m'avance un peu. Ici. Et toi, ce que tu vas faire, c'est juste faire kaboum. Magnifico. Et maintenant, toi. Damn. J'ai pas un bon emplacement pour faire ce que je veux. Attendez. Voilà, perfecto. Et maintenant. Je peux pas toucher. Je peux pas toucher les yeux de confusion, malheureusement. Mais vous comprenez pourquoi j'utilise toujours la paix Mario. Il peut détruire tout le monde par lui-même. Il est insane. Quand il fait pop, 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 pop. Et en plus, quand il charge là, ça fait des explosions à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. Ah! Ah! Je comprends comment ça marche. Et en plus, j'ai seulement 11 tours avant la défaite. Est-ce que vous êtes sérieux, guys? Ok, Peach. Toi, tu vas aller ici tôt. Il faut détruire beaucoup de yeux de confusion de je sais pas quoi, là. Attendez, mais il faut que je me sépare, en gros. J'ai compris. Pour ça... Tu vas pas attaquer le tonneau, oublie ça, ça va toucher mon lapin Mario. Et ensuite... Oh, je crois que je vais aller là, juste pour pouvoir l'attaquer. Ouais, le truc c'est que je peux l'attaquer comme ça, sans détruire d'objets. Vous avez vu ça? Lapin Mario, il est trop cheaté, c'est quoi cette affaire-là? Et... Je crois que c'est tout, ouais. Je vais pas utiliser de contre. Ok, c'est bon. Là, il y a des yeux qui devraient apparaître de nulle part, non? Ah, voilà, parce qu'il y en a tellement à détruire. Ok, il y en a un au fond, man. Attends, je crois que Mario, là, ce que je pourrais faire, c'est l'utiliser pour attaquer ça et ça. Voilà. J'aurais vraiment, j'aurais dû prendre Luigi pour vrai, pour ce niveau. Je savais pas que ça allait être comme ça. Ah, oh, man, je peux pas toucher. Je sais pas si je fais une erreur. Je sais même pas si je peux toucher les yeux qui se retrouvent là-bas, pour être honnête avec vous. Non, je peux pas. Je peux pas. Alors, vous savez quoi? Je vais revenir. Ah, j'ai pas envie de me faire éclabousser. Attendez. Ah, ok, ok. Je vais me cacher. Mais je sais que le petit bonhomme, là, il va bouger. Aïe, 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 aïe. Ok, Oh, je peux pas attaquer? Oh, pour vrai? Ok, mais ça va pas m'empêcher de te charger dessus comme ça, bro. Et te charger dessus comme ça, bro. Et... Yo, c'est du gaspillage. Mais on va le faire. Juste pour les détruire. Parce que ce bonhomme-là, il aime ça, n'oublie pas, on dirait bien. Ok, ça va et tout? Hein? Oh my god, ok, yo, la fin Mario, t'es mieux de pas bouger, frère. Les ennemis vont apparaître à longueur de journée. J'aurais peut-être dû prendre lapin Peach parce qu'elle peut nous guérir. Je savais vraiment pas que ça allait être comme ça. Oh my god, il y a tellement d'ennemis, bro. Ouais, j'aurais dû prendre lapin Peach. Ah, lapin Peach au lieu de Peach. Parce qu'en plus, lapin Peach, là, elle peut lancer des missiles de super loin. Là. Et puis, il fallait que je prenne Luigi pour attaquer de super loin. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, Peach, si tu arrives à le faire là, est-ce que je devrais les détruire eux tout d'abord? Attendez, si je fais ça comme ça. Oh, je peux tout toucher! Ok,
Comme ça? Ouais, comme ça. Ok, nice, nice. Et là, ce que je vais faire, c'est utiliser ceci. Et les transitions. Je crois que j'ai fait la bonne chose. J'aurais pu augmenter mes dégâts de combien de pourcents encore? 60% en utilisant notre spark. Mais je crois que ceci, c'est Tigidou. Et là... Attends. La chenille, là, le Wiggler, il n'y a pas d'autre œil de confusion sur lui? Ok, non, c'est bon. D'autres yeux de confusion, devrais-je dire. Si je vais ici, est-ce que je peux toucher les bonhommes? Yes! Ok, 50%. 50%. Qui ne tente rien à rien dans la vie. Ok, righty boy. Bon, ben, yo, aussi. Si tu bouges proche de moi, là, je vais te juger, mon frère. Ensuite, toi... Je peux juste ne rien faire. Ouais, on va pas bouger. Je vais pas me faire avoir par son regard. Ce bonhomme, il va se faire avoir par ça. Tout est tigidou. J'ai pas les personnages optionnels pour compléter ce combat, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, dans un sens, j'ai des bons personnages parce que vous avez vu, avec... Une seule attaque là, je peux détruire tellement. Oh mon dieu! Oh. J'ai choisi les meilleurs personnages, my bad bro man! C'est juste Mario. Lui, je regrette un peu. Ben, pour être honnête avec vous, je regrette un peu. Mais bon, si je fais ça, ça devrait être Tigidou. Oh yes, 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 je croyais que j'allais pas les toucher. Le combat est terminé, on a réussi notre coup. Là, c'était la MVP pour être honnête avec vous. Wouhouhou! On va passer au niveau 23, je pense. Yes! Alrighty, boy! On a réussi notre coup, hippie! Yo, depuis le début du jeu, j'ai oublié de faire quelque chose. Oh my god! Bye bye! On l'a calmé. C'est super génial, n'est-ce pas? J'avais oublié d'améliorer mes personnages. Parce que j'ai battu un boss secret. Et un boss secret, ça te donne des points de compétences pour débloquer un arbre de compétences. Je pouvais le faire pour deux personnages et je ne l'ai pas fait. Amer destin. Ma très chère Ginny, nectar des nectars, pour qui je mourrais d'amour, le destin l'a décidé. Nous nous séparons ici. Oh, que c'est triste. Ma Micheline. Vous filez vers le mont Gicleur. Je dois rester séant au chevet de ma Micheline, ma machine à vapeur en mal de réparation. Oui, du coup, merci pour... Oh, désir cruel. Phare de tes pleurs, Ginny. Ginny, va, arpente le mont Gicleur avant que mon doux transport n'entache tes vœux. Toute vapeur d'or. Ok, je suis vraiment en train de rencontrer Don Juan. Ça, c'est sûr, à 100%, vous l'avez vu. Sur le rail, un cristal sur deux de poignet. Nice, ou on a bientôt atteint le niveau 24 Rhino. Wouh! Il pleut des trucs passés par là et moi, je suis content. Mais vous savez quoi? Le moment est venu de prendre un break. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, je me suis amusé dans ce jeu vidéo. Et la prochaine fois, nous allons sauver ce monde. C'est à 100%. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suivre sur ses réseaux sociaux. Blabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.